là 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 là, encore un truc à monter aujourd'hui. Alors, si j'en crois ce qui sert à la fois d'emballage et de notice, j'ai l'impression, il s'agit d'une sorte de petit planétarium qui fonctionne avec un petit moteur et donc j'imagine une petite batterie ou quelques piles. Je crois que c'est un boîtier à piles, ça. Hein. Et bah, ça vous fait un petit planétarium très basique, c'est-à-dire soleil, terre, lune, et vous pouvez après le peindre. Bah, ça peut faire un petit truc sympa à faire avec vos enfants. Par contre, ça m'a l'air d'être tout en chinois, donc on va voir si on arrive à s'en sortir quand même. Il n'y a pas l'air d'y avoir masse de trucs à l'intérieur, donc je pense que ça devrait aller. On a les planchettes de bois qui doivent être tellement bien prédécoupées qu'il y a déjà des morceaux qui se promènent, mais ça, c'est pas forcément mauvais signe, au contraire. Donc les éléments qui viennent autour, donc là je vois un moteur, là effectivement un capot à piles, hein, il va falloir mettre des piles ici. Les planètes c'est juste des petites boules de polystyrène, d'ailleurs le soleil il s'est un petit peu fait aplatir dans le transport, mais bon c'est pas très grave, on va faire avec malgré tout. Bon bah écoutez, manifestement il y a assez peu d'éléments, donc magie du montage, je vous montre le produit une fois qu'il est monté dans je pense une vingtaine de minutes. C'est parti. Et voilà ce que donne le produit fini, temps d'assemblage à peine 20 minutes, plus 10 minutes pour colorier les planètes. Et si vraiment vous voulez peindre le tout, je pense qu'en une heure et demie, ça peut être torché. Hein. Mais c'est un petit projet sympa à faire avec vos enfants, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. La seule chose qui est un petit peu délicate, c'est entortiller les fils pour faire les contacts électriques. D'ailleurs, à mon avis, ça va être un petit peu le festival des mauvais contacts, ce truc à la longue. C'est mieux si vous pouvez les souder. Donc, à la rigueur, vous terminez le projet tout seul avec votre fer à souder, pour avoir vraiment un truc fonctionnel. Mais l'objet est, ma foi, plutôt mignon, plutôt intéressant. Et en plus, ça marche, regardez ça. Bon, heureusement que on tourne pas à cette vitesse-là autour du soleil, mais ça marche. C'est tout pour aujourd'hui.